suna e e pa ina yo enga moko te motona me mi e pa ina yo mote me lingi e na e pia zana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na pouti e pa ina e quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na sengyo sala yengolu bisika banda ki kokwea et comme un point fort na ye mote melingi ye ye oyo olingondanga ye oyo na lota kyango na ndoto lo sambo e futi penga yo. Ok, bonsoir, je m'appelle Nyami Nyamakwe Robert. Je suis le fils de M. Nyamakwe et de Maman Michanda Madeleine. Je suis Kassayan, originaire de Mikope, dans le secteur de la Songo, territoire d'Ilebo. Voilà ça. Donc, je suis licencié en pétrole et gaz. Je fais la géologie à l'ILIKIM et la licence à l'ICI. Donc, j'ai un diplôme de licence en pétrole et gaz. Alors, en ce qui concerne ma rencontre avec Sephora, je sais que mes amis vont rire, voilà ça. Donc, ça a été un jour, j'allais à l'église, je suis arrivé au rond-point Gaba, je voulais prendre la moto. Et subitement, je me rends compte que la même moto que je voulais prendre, il y avait une celle qui venait pour monter sur la même moto. Quand je l'ai vu, je vis que c'était une sœur. Et nous sommes montés, on est parti à l'église. Hein? Je ne savais pas qu'elle priait avec nous. Quand on est descendu, je me suis rendu compte qu'elle entrait aussi dans notre église. À la sortie, je suis rentré, bon, je n'ai même pas pensé à ça. Et le dimanche prochain, j'allais à l'église, on prend Gab encore, je vais prendre la moto. Donc, c'est la même sœur qui vient pour monter sur la même moto. Hein. Et quand on s'est vu, on a ri. Je me suis dit, je ne crois pas que c'est simple coïncidence. Apparemment, il y a quelque chose ici. Parce que j'étais en train de prier, je disais à Dieu, je vais quand même trouver une femme qui soit une partie de moi. Voilà ça. Donc. Et quand je suis rentré à la maison, je pensais à ça. C'est peut-être elle. Bon, à l'époque, là, là non, hein, mon pied m'a cassé, je me disais, oh, petit, oh, talara. Bon, voilà ça. Alors, j'ai commencé à penser à elle. Et il est arrivé que quelques semaines après, le confinement est lié. Nous sommes partis à la maison, au confinement. Merci pour Cité Verte. Je me suis dit, bon, je descends à la station. J'arrive à la station, pendant que je vois taxi, je vis Sephora en train de monter. Quand on s'est vu, je dis, hé, hey, Sephora, il a dit, frère Robert. Je dis, oh. Ça fait longtemps que je te cherche mon église, tu ne vas plus. Non, Nayaka, voilà. Je me suis dit, Petit, le nom de c'est sous. Il faut qu'on ait un numéro, on va là, encore. J'ai pris le numéro. Maman, ça n'a rien à dire que c'est qui m'a dit, voilà. Donc, j'ai pris le numéro. Et le soir, je l'ai appelé. Et on a commencé à parler. Bon, comme frère et soeur, je l'ai appelé. Je lui ai parlé. Et c'était difficile pour elle. Voilà ça. Donc, elle était un peu très compliquée. Très dur de caractère, mais j'ai été patient, on a connu des moments aussi très difficiles, hein. Dieu nous a aidés jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est mariés, voilà ça, en fait c'est ça. Il y a un ami d'Eli Ekuka, il n'est pas ici, il est aux États-Unis, c'est lui le vrai témoin, lui il a connu Banda de Azeï, donc rendez-vous la mission on sort. Il savait même un moment difficile qu'on a traversé, je le salue. Avec sa chère épouse Esther et leur mignonne fille, hein, Oti Chou, dans Otiniel. Donc en fait, c'est ça. Donc, Dieu nous a aidés, nous sommes là où nous sommes. Donc, pour mes parents, je vais dire ceci, je remercie mes parents. Je pense à mon papa, désolé, il est absent aujourd'hui. Son travail, il est là au Kassai, il devait venir, mais souvent, il y a un mois de juillet. Et la santé, là, un peu dérangée, il y a un congé, il rentre. Hein. Il était vraiment nécessaire à Ozala, mais le travail ne lui a pas permis. Et il y a aussi mes oncles qui ne seront pas là. Je pense à mon oncle Sylvain, hein, à mon oncle le procureur, lui aussi. Bon, à Moussala, ils ne seront pas là, voilà. C'est le petit souci que j'ai. Hein. Il y a maman, il y a ma tante. Ma tante Pierre, ma Belgique, ma tante Flora, la Belgique. Bon. Toutes ces personnes, il me manque beaucoup. En ce qui concerne ma famille, je remercie vraiment mon papa. Je me souviens quand il m'a accompagné à l'internat, j'étais un petit garçon de 12 ans.
me disait mon fils, je te montre deux chemins, le chemin de l'école et le chemin de l'église. Si tu suis bien ces deux chemins, et je serai content de toi, et moi, ton père, je serai content de toi. Je pense que je le fais, je suis chrétien aujourd'hui, je suis licencié aujourd'hui, ébélé, hein, et Tikali, c'est ce qu'on va faire. On se bat dans ce sens-là. Donc, je vous remercie d'être venu. Et je fais bisous à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Ok, bonne fête. Coucou les gens. Je me présente, je suis Sephora. Sephora. Je suis née d'une famille de 10 enfants, un garçon et 9 filles. Je suis la sixième de ma famille. Mon papa s'appelle Alex Chibangu, ma maman Suzanne Kamwanya. Je vais vous faire le briefing vite fait de ma rencontre avec mon chéri. On s'est connus, c'était comme une blague, quelque chose d'inattendu. On ne pouvait même pas penser qu'un jour on allait arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est seulement la grâce de Dieu, c'est que moi je peux dire personnellement. Et je ne cesserai jamais de remercier, de rendre grâce à Dieu pour mes beaux parents, mes beaux kilos. Grâce à eux, j'ai eu, je dirais, un homme. Je m'attendais à voir un homme qui est chrétien, qui craint le Seigneur, qui est correct, de façon, sa façon de faire des choses, et Dieu me l'a donné. Je dirais que Robert, c'est un cadeau du ciel pour moi. Donc, c'est un peu ça. Je lui remercie de m'avoir honoré et d'avoir rendu ce jour possible. Merci beaucoup.